Ils sont aussi quand même sur toujours les équipes qui montent comme ça sur une certaine dynamique qui reste quand même toujours intéressante, la dynamique de la montée avec des joueurs qui se connaissent bien. Ça reste toujours très, très, très dangereux, hein, ces équipes qui restent dangereuses. Après, bon, ils sont tombés sur une équipe de Lille très, très solide et malheureusement pour eux, sur deux occasions, ils prennent deux buts en 5 minutes. Donc c'est vrai que pour une entrée en matière, c'est pas évident pour eux, quoi. Mais je pense qu'ils se sont bien repris après sur le deuxième match. Ils ont des arguments à faire valoir, ça c'est clair. Eux aussi, il y a peut-être des mouvements, hein, qui se sont faits aussi durant cette semaine-là. Donc ils sont en recherche d'équilibre. Mais ce que je crains, c'est plus cette coordination qu'ils peuvent avoir les uns avec les autres parce qu'ils se connaissent bien, quoi. Ah, parce qu'elle est très joueuse, hein, ouais. Oui, ça joue, ouais. Ils ont des capacités, on l'a vu la saison dernière, c'est une équipe très joueuse, ouais. Il ne faudra pas traîner en route, ça c'est clair. Merci. Voilà. Monsieur Dom, à bientôt. Oui, je pense, ouais, que c'est une bonne période pour pouvoir prendre des points. Après, bon, on sait que c'est... Ce sera compliqué, ça c'est sûr. Mais oui, ça peut nous mettre en confiance, c'est ce qu'on va rechercher, quoi. Ouais. Prendre des points pour être plus en confiance, ça c'est sûr. J'ai pas ressenti ça, non, puisqu'on a analysé bien sûr comme d'habitude notre match. On en a retiré certaines choses intéressantes, notamment sur la rigueur, sur l'attention, hein, puisqu'on a refait des retours avec certains joueurs sur un peu plus d'attention sur certaines phases, ce qui nous a manqué. Face à des équipes comme ça, des joueurs comme ça, ben voilà, de suite ça coûte très cher. Mais je pense que on a appris, bien sûr, on a appris en accéléré, douloureusement aussi. Mais ça a été mis à profit. J'ai pas senti non plus le groupe affecté, bien au contraire. Bien au contraire, je sens un groupe très concerné, déterminé, qui a fait une belle semaine de travail. Entre autres, il y a eu certaines pertes de balles qui sont vraiment évitables, mais ça, c'est pas que sur le match de Paris. C'est parfois par manque un peu de précision technique, mais parfois aussi, ce que je disais, sur manque d'attention quand on va recevoir le ballon. Être plus en attention que ce que j'ai vu, quoi. Donc ça nous a fait perdre des ballons. Après, on sait très bien que sur les transitions, obligatoirement, on est en danger. Donc effectivement, on travaille sur le côté technique, mais je te dis vraiment sur le côté être prêt, avoir pris les infos avant, avoir une idée d'avance aussi, quoi. Parce que si quand tu reçois le ballon, que tu commences à réfléchir, c'est largement trop tard. Tout à fait. Le top, c'est de démarrer avec une défense centrale type, parce qu'on sait très bien que il y a quand même une ossature qui est très importante. Un gardien, les deux centraux, le 6 et l'avant-centre, c'est essentiel, hein, pour le squelette de l'équipe. Là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est ce secteur-là qui nous pose le plus de problèmes pour diverses raisons, parce qu'on a eu certains retards, j'allais dire, de préparation pour certains, des blessures aussi pour d'autres. On a encore été embêté avec Pedro, juste voilà, il y a encore pas longtemps. Donc, ce qui m'amène à faire des changements. Et c'est un petit peu un manque de stabilité là-dessus. Donc, mais on recherche cette stabilité-là. Ouais, on recherche ça. Je pense qu'on va la trouver parce qu'on a moins de pépins. On a moins de pépins. Je vois que des garçons sont plus en forme et il y a moins de petites gênes. Hein. Il y avait des petites gênes musculaires pour certains. Mamad s'était arrêté à un moment donné parce qu'il n'avait pas pu aller... jouer le match en Angleterre, etc. Il y a eu des petits couacs comme ça qui ont fait que ça nous a un petit peu embêtés sur la défense centrale. Ouais. Oui, c'est vrai. Et je préférerais bien sûr avoir une ossature solide depuis le début. Bah, il y a une évolution, obligatoirement une évolution. Ce qu'on voit,
dans nos conclusions hein, avec le staff, ces discussions que l'on a, on voit cette évolution, on voit l'évolution des formes, etc. Donc oui, il peut y avoir des choses qui commencent à se dessiner, bien sûr. Ouais, le travail psychologique, il est plus sur vraiment de la communication. En plus, Falaï, on l'a mis dans un poste qu'il connaît, mais ce qui peut-être pas son poste spécifique. Ouais, on vient de parler de la défense centrale, c'est que vous savez qu'on avait quelques soucis là-dessus. Donc là, on sait qu'il peut dépanner dans ce secteur-là. L'été a été compliqué pour lui, le côté psychologique passe surtout par de la communication, le rassurer, lui montrer aussi ses erreurs, mais aussi les choses qui ont été positives, et on sait que ça va aller en s'améliorant. Voilà. Mais beaucoup de communication avec Falaï. Alors, bon, je pense qu'il y a eu une saison l'année dernière quand même très riche pour lui, une intersaison aussi avec l'équipe de France U20, très lourde. Bon, après... Bien sûr, on lui a laissé un petit peu le temps de récupérer. Il faut parfois, pour des jeunes joueurs, un peu plus de temps pour digérer tout ça. Voilà. Donc, je pense qu'il est en phase, il va mieux là-dessus. On sent qu'il a un peu plus retrouvé confiance. Mais c'est difficile pour un jeune joueur d'être insensible aussi aux sirènes des médias. Et voilà, on entend beaucoup, beaucoup de choses de droite, de gauche, avec des clubs faramineux. Donc je pense que ça aussi, c'est pas évident à gérer pour un jeune joueur. Non, il n'y a pas de... Ouais, ben après, il peut avoir des touches. Après, quand on parle de sollicitations, c'est des sollicitations décentes. On est d'accord, ok. On ne peut pas... C'est à ce moment-là, n'importe quel club peut venir et proposer une somme dérisoire et dire, voilà, nous, on est intéressé par ce joueur-là. Non. Il faut quand même qu'il y ait... Mais ça, c'est le travail du président, de Bruno. Voilà, c'est eux qui sont là au quotidien et qui reçoivent les demandes. On sait très bien que tant qu'il y a le mercato, tout est ouvert et que toutes les spéculations peuvent arriver. Ouais, mais c'est fermer la porte, c'est toujours compliqué. Tant que ce mercato est ouvert et aussi long, sportivement, c'est très très dur pour nous à gérer. Tu peux à un moment donné fermer la porte, dire voilà, bon, 15 jours avant la fin du mercato, on arrête parce que le championnat a démarré, on ferme la porte, et puis après, une grosse proposition qui arrive sur les 3 derniers jours. Qu'est-ce que fait le club? Voilà, est-ce qu'on est en capacité de résister? C'est ça qu'il faut voir. Donc, mais le vrai problème, c'est la longueur du mercato. Vous voyez bien, c'est toujours la même chose. À l'ouverture du mercato, y a quelques mouvements. Après, il y a un creux énorme. Il n'y a rien, il ne se passe rien du tout. Et puis, sur les derniers 10 jours, ça s'accélère. Je ne vous parle pas des 4 derniers jours. Ça va dans tous les sens. Donc, c'est toujours pareil. Mais sportivement, c'est très dur. C'est très dur. Après, on demande des résultats, vous demandez des spectacles. Voilà, quand vous demandez des comptes après. Les comptes, nous aussi, on a un droit, entraîneur, de demander aussi des comptes parce que c'est compliqué. Mais c'est le mercato, c'est cette longueur du mercato. C'est pas les clubs après, les clubs, les entraîneurs qui subissent tout ça. Voilà.